Lis ta Bible, prends ta Bible dans Jean chapitre 5. Je ne pourrais peut-être pas faire une longue lecture avec toi ce matin à cause du temps. Mais essaie de prendre ta Bible et de faire une lecture vivante avec moi debout, s'il te plaît. Si tu peux. Jean chapitre 5. On lit la parole de Dieu. À partir du verset 2. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle, en hébreu, Bethesda, et qui a un portique. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit : Veux-tu être guéri ? Le malade lui répondit : Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Alléluia. Verset 8. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri et prit son lit et marcha. Verset 10. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri : C'est le sabbat, il n'est pas permis d'emporter ton lit. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole, nous pouvons nous asseoir. Amen. Amen. Je ne sais pas qui a dit que ce n'était pas permis qu'aujourd'hui que tu puisses recevoir la guérison ou le miracle de Dieu. Quelqu'un a peut-être dit, c'est le sabbat, tu ne te marieras pas. Alléluia. Amen. Quelqu'un a peut-être dit, c'est le sabbat, il n'est pas question que tu puisses passer d'un niveau à un autre. Est-ce que quelqu'un peut dire amen avec moi? Amen. Et ce matin, je suis dans la joie de savoir que c'est le sabbat. Malgré tout, vous prenez vos lits et vous marchez. Dans ce texte, au verset 6, la Bible dit que Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps. Depuis longtemps, Jésus a remarqué qu'il était malade depuis longtemps. C'est bien dit. Ce texte prouve que Jésus est intéressé et sait remarquer les personnes qui sont dans une souffrance depuis longtemps. Alléluia. Amen. 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 Si vous êtes dans une situation qui a duré longtemps, ça ne veut pas dire qu'elle a fait nécessairement 38 ans, mais elle a pris longtemps selon vous. Alors je demander à quelqu'un ce matin de lever sa main et de dire, le Seigneur Jésus m'a vu. Seigneur Jésus m'a vu. Ce que vous êtes en train de traverser depuis longtemps a été repéré par Dieu. Jésus est sensible au temps que fait certains de nos problèmes. Certaines personnes pensent qu'elles sont seules dans leurs difficultés. Et elles se disent que Jésus ne voit pas sa douleur. C'est une grande erreur. Un grand mensonge. Dieu voit que vous souffrez depuis longtemps. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Chose bizarre, Jésus n'a pas remarqué d'autres personnes. Mais il a remarqué cet homme-là. Ça veut dire que cet homme avait une certaine réputation vu le temps qu'il avait fait en cet endroit-là. Alléluia. Amen. Il y a aussi parmi vous des gens qui sont devenus des sujets de discussion de certaines maisons en disant, regarde eux, depuis qu'ils sont mariés, toujours pas d'enfants. Regarde eux, depuis qu'ils sont mariés, le mari ne travaille pas. Regarde eux. Alléluia. Ce qui fait déclencher les conversations dans nos maisons, c'est souvent la durée de nos problèmes. Quand les gens remarquent que vous venez de vous marier, il n'y a pas de discussion. Mais quelques temps après, quand ils remarquent que les choses qui doivent accompagner un mariage ne viennent pas, alors le débat commence.
Alléluia. Amen. C'est bien d'être le sujet de colportage d'autres personnes parce que vous serez plus facilement aussi le sujet de la louange de Dieu dans leur vie. Alléluia. Amen. Je ne me rappelle pas du jour où on a parlé de la prospérité, de quand le ciel a commencé à être prospère. Parce que ça a été depuis toujours. Mais lorsque sur terre il y a des pays qui commencent à prospérer, on en parle. On parle de Dubaï. On parle de Hong Kong. Il y a Hong Kong. On parle de la Tunisie. On parle de la Guinée. Équatoriale. Parce que ce sont des pays qui vivent des exploits ces derniers temps. Amen. Amen. En dehors des pays, on parle aussi de certains hommes. On parle des hommes qui est ceci, l'homme qui est devenu ceci, la femme qui est devenue cela. J'ai suivi une émission sur Canal+. L'émission réussite. On a parlé des femmes qui ont réussi. Je n'ai pas vu une femme de terre sacrée dans cette liste. Alléluia. Amen. Est-ce parce que vous êtes maudite? Non, parce que vous n'étiez pas introduite. Ce matin, nous vous introduisons dans la dimension où votre renommée devient une histoire dans une nation et une inspiration dans d'autres peuples. Amen. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui a voulu que ça soit ainsi. La Bible dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom parce qu'il a élevé d'autres noms. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Alléluia. Amen. Ok. Maintenant, cet homme qui était malade depuis 38 ans, il a pris son matelas, il a pris son drap, son lit. Alléluia. Amen. J'imagine, il a quitté chez lui. Il arrive, il dépose. Et il met son oreiller, il s'assoit. Les malades sont arrivés là où il y avait aussi des paralytiques, là où il y avait des aveugles. J'imagine un peu comment est-ce qu'ils étaient. C'était un climat morose, triste. Le thème de ce message est assez compliqué. Pourquoi 38 ans? Et après sortir de la longue durée de ta situation. Deux faits vont toucher notre message ce matin. D'abord, pourquoi cet homme a fait 38 ans? En lisant les Saintes Écritures, cet homme a expliqué pourquoi il a fait 38 ans. Nous l'avons compris lorsqu'il a pris la parole. Au verset 7. Il a dit, le malade lui répondit. Il a dit à Jésus, Seigneur. Il n'a même pas dit, Monsieur. Il a dit, Seigneur. Il a remarqué qu'il était devant un seigneur. Un homme de pouvoir. Mais lorsque cet homme de pouvoir l'a parlé, il dit à cet homme, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Autrement dit, cet homme voulait dire à Jésus, écoute, comme tu es là, moi je te dis, moi je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Alléluia. Amen. La première erreur qui a emmené cet homme à faire 38 ans, c'était que lorsque il regardait son problème, il ne regardait pas à la solution de son problème. Il ne cherchait plus que son problème soit résolu quel que soit, mais il cherchait qu'on lui trouve quelqu'un qui devait l'aider à résoudre son problème. Celui qui avait un problème, c'est lui. Mais il a demandé à Jésus en lui disant, disant que je n'ai personne pour me mettre là-dedans. Lorsque certaines personnes durent dans leurs problèmes, c'est parce que tout simplement, au lieu de regarder comment ils doivent s'en sortir, eux ils regardent qui peuvent les aider. Il n'y a personne qui peut vous aider. Comme je disais ce matin, quelqu'un qui vous cherche le travail ne vous donnera pas son travail. La seule personne qui nous a donné sa vie, c'est Jésus. Lorsque tout le monde cherchait la vie, Jésus a dit, je prends ma vie, je vous la donne. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. C'était son premier problème. Il pensait toujours que sa solution dépendait de quelqu'un. La Bible dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le
secours. Le secours me vient d'où? De l'Éternel des armées. Qui a fait quoi? Les cieux. Pourquoi la Bible dit que le secours me vient de celui qui a fait les cieux et la terre? Parce que les cieux et la terre sont deux choses qui ont été faites par Dieu sans le secours de l'homme. Lorsque un enfant vient au monde, on dit j'ai acquis un enfant avec l'aide de l'Éternel. L'homme dit que Dieu l'a aidé. Mais quand Dieu crée le ciel et la terre, il est seul. Le secours, notre secours vient d'un être qui agit seul. Sans le secours de quelqu'un d'autre. Votre oncle ne peut pas aider Jésus à être Seigneur dans votre vie. Non, l'ami de votre mari ne peut pas l'aider à bénir le Seigneur et à dire que Jésus est Seigneur. Jamais. Je prie donc ce matin que vous soyez positionnés là où Dieu veut que vous puissiez l'être au nom de Jésus. Amen. Sans le secours d'une main, soyez là où vous devez être au nom de Jésus. La deuxième chose que le monsieur a dite à Jésus pour expliquer pourquoi les 38 ans, il dit ceci. Il dit, écoute, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau, dans la piscine, quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Il fait remarquer à Jésus, écoutez, pendant que j'y vais, il y a un autre qui descend avant moi. Alléluia. Amen. Donc, il justifie son problème qui a duré par la réussite des autres. Il dit au Seigneur, j'ai raté le travail là parce que le monsieur qui est dans cette société a donné le travail à son neveu. Vous justifiez le manque de quelque chose parce que la chose a été donnée à un membre de sa famille. Non, c'est pas ça. J'entends quelqu'un dire amen. Amen. Alléluia. Amen. Le premier ministre de Pharaon n'était pas un membre de sa famille. Le premier ministre de Pharaon n'était pas un de ses neveux. Le premier ministre de Pharaon n'était pas un de ses cousins. Le premier ministre de Pharaon a été imposé par Dieu. Joseph n'a pas été proposé à Pharaon, il a été imposé à Pharaon. Votre positionnement, votre bénédiction, sortir de votre situation difficile, n'est pas une proposition que Dieu veut faire à un chef quelque part pour vous mettre là. Dieu va imposer. Quelqu'un me comprend? Amen. Dieu va imposer. Dis à ton voisin, Dieu va imposer ta position. Dieu va imposer ta position. Quand tu dis à ton voisin, on sent que tu crains qu'il prenne ta position. C'est pas ta position qu'il va prendre. Vous pensez comme ça parce que vous croyez que ce que vous vivez, c'est grave. Ne te comporte pas comme le monsieur de 38 ans. Alléluia. Amen. Non, pasteur, quand on allait là-bas, on n'a pas trouvé ce qu'on cherchait. La voiture a été vendue, c'était à 2000, on voulait l'acheter. Laissez ces histoires-là quand vous êtes enfant de Dieu. Quand vous arrivez là où vous vouliez prendre quelque chose que ce n'est pas, la prière en langue. Une occasion merveilleuse va se présenter à vous. Plus grande que celle que vous étiez en train d'espérer. Ne justifiez pas votre longue durée de problème par la réussite des autres. La troisième chose que le monsieur a faite, c'est qu'il attendait un mouvement extérieur. Ce mouvement extérieur, c'était quand l'eau devrait bouger, être agité. Alléluia. Amen. L'ange descendait. La Bible dit, il descendait. Il agitait l'eau. J'aime bien cette histoire parce que je me pose toujours la question comment les gens se comportaient quand l'ange descendait. L'ange, quand l'ange descendait. Tout le monde était prêt. D'autres faisaient de faux départs. Ils tombaient dans l'eau, mais l'ange n'avait pas encore bougé. C'était trop tard. Le temps qu'ils sortent pour se repositionner, quand l'ange bouge, des milliers de gens sortent dans une piscine. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je suis sûr, dites-moi la vérité, que dans ce genre de cas, si l'ange avait bougé l'eau à ce niveau là-bas, la plupart voulaient sauter pour atteindre le niveau où l'ange avait bougé. C'était des moments où ils sont très choqués, la tête
Il y avait des douleurs incroyables quand ils sortaient de ce col-là. Rappelez-vous seulement du bus qui vient en disant « Kaka, place mon corps, mon corps, mon corps ». Vous voyez comment on vient sur la porte là? Bon, c'était un peu ce genre d'attroupement sur l'eau. Et on se jette nous tous là-dedans. Certains infirmes sortaient de là encore plus infirmes. Parce que le pied qui était déjà dérangé s'est encore cassé quand il est tombé. Amen. Amen. Alors dans cet endroit, le monsieur là de 38 ans est resté pendant 38 ans parce qu'il attendait toujours le mouvement de l'eau. Donc au lieu, lui, il se disait que pour que ça change dans ma vie, j'attends que l'eau bouge. J'attends le mouvement à l'extérieur. Certains disent, ah, j'attends un coup de fil important. Il n'y a pas de coup de fil important, il n'y a que des prières importantes. Hein? La Bible n'a jamais dit, je vous répondrai et puis vous m'invoquerez. La Bible dit d'abord, invoque-moi. Vos appels qu'on vous appelle là avant que vous ayez invoqué, ça ne résolvera jamais vos problèmes. Ça sera toujours, on a un petit travail ici, je ne sais pas si ça va t'intéresser. Voilà. Mais quand vous priez, c'est le meilleur de coup de fil que vous pouvez lancer à Dieu. Ça va vous ouvrir une situation que jamais même vous n'avez imaginée. Est-ce que quelqu'un me suit attentivement? Amen. Bon, le monsieur attendait le mouvement à l'extérieur. C'était une erreur. Parce que le mouvement qui pouvait le guérir, c'était le mouvement qu'il devait faire à l'intérieur de lui. Il devait manifester sa foi à l'intérieur. C'est le mouvement de l'intérieur qui change votre vie et non pas le mouvement de l'extérieur. Dites-moi ce que vous faites à l'extérieur. Je vais vous prouver que vous ne faites rien à l'intérieur. Mais quand à l'intérieur vous faites beaucoup de choses, votre extérieur va se transformer sans beaucoup d'acrobatie. J'entends par mouvement à l'intérieur la foi, la prière. Toutes ces choses sont des mouvements à l'intérieur. Les femmes qui parlent beaucoup prient peu. Elles cherchent des résolutions à l'extérieur. Ah, l'ami d'un tel, il faut parler à mon mari, il commence à te découcher. C'est un mouvement à l'extérieur. Ça ne change pas ton mari, ce genre de choses. Ce qui changera des choses, c'est quand toi tu te mets à genoux dans ta chambre. La Bible dit quand tu pries, entre dans ta chambre. Au lieu que tu sortes, la Bible dit non, entre, va à l'intérieur. Pour faire un mouvement à l'intérieur. C'était la troisième chose qui avait empêché le monsieur d'être guéri et il a fait 38 ans. Enfin, la quatrième chose, ce monsieur a fait 38 ans. Alléluia. Amen. Quand Jésus lui pose la question, veux-tu être guéri? Est-ce qu'il répond par oui? Non. Il ne répond même pas par oui. Il commence à expliquer. La quatrième chose qui a fait ce que ce monsieur a fait 38 ans, c'est qu'il ne savait plus ce qu'il voulait. Amen. Amen. Il y a des sœurs ici, frère. Elles viennent nous dire, pasteur, j'ai besoin du mariage. Mais elles sont impolies. Tu es déjà impoli, tu ne sais pas ce que tu veux, tu ne peux pas te marier. Le mariage, c'est un endroit compliqué, beaucoup de soumission. Est-ce qu'une femme est en train de me comprendre? Amen. Certaines femmes disent, parce que je ne sais pas ce qui m'a pris. Papa, moi, à chaque fois que je m'approche d'un homme, les hommes ne s'approchent pas de moi. Sœur, écoute-moi très bien. Alléluia. Amen. Ça veut dire que tu as un problème. Amen. 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 Quand vous voulez. Certaines personnes cherchent des choses, mais ils ne savent pas exactement ce qu'ils cherchent. Pasteur, je veux que Dieu agisse dans ma vie. Ok, frère, va jeûner demain. Ah, pasteur, moi, le jeûne, ça passe pas. Mais attends, finalement, tu voulais quoi? Qui est déjà allé voir le médecin en disant, je veux que ma malaria parte? Et le médecin, quand il prend la seringue pour te piquer, il dit, non, je veux que la malaria parte. Mais c'est la seringue là qui va faire partie. Les allées tournées kobengana bokono. Alors, le monsieur a fait 38 ans parce qu'il a pris tout son temps là-bas et il a fini par ne plus savoir qu'est-ce qu'il voulait. Amen. Amen. Je vais vous donner un exemple. Je vous ai déjà fait cet exercice. Talandakis. Citez-moi trois choses dont vous avez besoin et dites-moi la première, c'est laquelle. Vous allez voir que les 5 secondes que je viens de compter, si beaucoup n'ont même pas trouvé la chose.
Parce que les gens viennent à la maison de Dieu, mais ils ignorent même exactement qu'est-ce qu'ils cherchent. Alléluia. Amen. Quelqu'un me suit attentivement? Amen. 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 Ils ignorent même ce qu'ils cherchent. C'était le cas de ce monsieur et ça fait durer son miracle. Alors, comme je disais au premier culte, je pensais que c'était ça le message. Mais Dieu a ouvert mon esprit et il me pose une question. Je rentre à la maison, le Saint-Esprit me dit: tu es prêt pour le message? Je dis oui, oui, c'est bon. Alors il me pose une question, suivez bien la question. Alléluia. Amen. Pourquoi? Lorsque les gens qui étaient autour de cet homme de 38 ans ont vu cet homme être guéri. Dis à ton voisin, écoute la question. Pourquoi? Quand cet homme qui a fait 38 ans de maladie a été guéri, pourquoi tout le reste des personnes qui étaient là n'ont pas remarqué ça? 38 ans, on savait que le papa là, il avait un lit. Puisqu'il avait un lit, sa position, sa géolocalisation était connue. Son GPS était connu. Quelle était la première chose qui a fait que tous les gens qui étaient là ont continué à durer dans leurs problèmes? C'est qu'ils avaient les regards sur l'eau. Alléluia. Amen. Ils avaient les regards sur quoi? Maï. Donc la première chose qui a fait que les gens n'ont pas remarqué la guérison, ils avaient les regards sur l'eau. C'est la chose qui fait que vous durez dans vos problèmes. Vous continuez à penser à Germain qui est en France. Vous avez les regards sur la France. L'homme reste longuement dans sa situation parce que c'est comme ça qu'il parle à Dieu. Il parle à Dieu selon une voix. Il ne sait pas que Jésus est juste à côté et il est venu non pas pour vous répondre par une voix, mais pour vous donner des choses que l'œil n'a point vues et des choses que l'oreille n'a pas entendues. Est-ce que quelqu'un a compris? Acclame Dieu pour ça. Deuxième. Ils ont confondu Jésus. La deuxième chose qui a fait que tous ces gens-là, quand Jésus guérissait cet homme de 38 ans, tous ces gens n'ont pas été guéris. Pourquoi? Parce qu'ils ont confondu Jésus à un frère qui était venu jeter le monsieur de 38 ans dans l'eau. Une terre à nous. Élargissons le champ de la mission. Un espace pour le temple. Un espace pour nos locaux administratifs. Un espace pour une école. Et un espace pour une imagerie. Ces quatre grandes actions, ces quatre grandes branches seront toutes à l'intérieur de notre grand espace que nous voulons acquérir. Que Dieu vous bénisse déjà, parce que je sais qu'en vous lançant dans cette grande opération achat parcelle, vous participez non seulement à l'achat de cette parcelle, mais vous participez aussi à votre propre bénédiction. Alors, n'attendons pas, entrons ensemble et mobilisons-nous pour réaliser cet objectif commun qu'est d'avoir une terre à nous. Que Dieu vous bénisse. Je l'ai appelé en riant quand le Saint-Esprit m'en parlait. Ils ont confondu Jésus à un accompagnateur de jet. Parce que là, à côté de la piscine de Bethesda, il n'y avait pas que les malades. Les malades qui étaient là avaient contraint leur famille à rester là. Pourquoi? Certains estropiés ne pouvant pas utiliser leurs pieds et certains infirmes ne pouvant pas utiliser leurs membres pour se jeter dans l'eau, avaient besoin qu'on les jette. La Bible dit très bien, je n'ai personne pour me jeter. Donc, il n'y avait pas que les malades. La population qui avait autour de la piscine était
intense, énorme, parce qu'il n'y avait pas que le malade. Chaque malade venait au moins avec une personne au moins. Et si c'était mieux, deux personnes. Et à chaque fois, il fallait qu'on porte un malade prêt à le jeter. Imaginez un peu la fatigue qu'ils donnaient aux membres de leur famille. Votre situation a duré longtemps, ça commence à faire souffrir même les membres de votre famille. Ils ont même honte de vous appeler, honte de venir chez vous, honte de vous reconnaître devant leurs amis. Pourquoi? Parce que votre maladie traîne. Quelqu'un me suit attentivement. Alors, quand Jésus était à côté de l'homme de 38 ans, tout le monde pensait que Jésus était venu pour faire quoi? Jeter le monsieur dans l'eau. Parce que le vrai problème que tout le monde savait, que Tatawana, le monsieur là, n'a pas de famille. Il était venu et il n'avait personne. Lui, il n'avait personne. Donc, il n'avait pas de famille qui le soutenait. Peut-être la famille était là, mais on finit par l'abandonner. Il est resté seul. Quand une situation dure, sachez qu'elle effacera tous les soutiens et vous finirez par rester seul. Et il est resté là, seul. Et c'était connu de tout le monde que le monsieur Germain n'a personne. Alors, quand ils ont vu Jésus s'approcher de lui, ils ont dit, enfin, un de ses cousins est arrivé. Au lieu de continuer à regarder dans le sens où Jésus était, ils ont détourné le regard parce qu'ils l'ont confondu à quelqu'un qui venait juste l'accompagner pour le jeter dans l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Jésus n'est pas venu pour vous accompagner dans vos souffrances. Ça fait 14 jours que vous êtes né de nouveau et ça fait 14 jours que vous continuez à souffrir. Jésus n'est pas venu faire l'assistana ou une compagnie de votre douleur. La Bible dit que Jésus n'est pas venu pour ça. Hébreux 11, au verset 6, nous connaissons seulement la première partie. Mais voici la deuxième partie. La deuxième partie dit ceci. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu n'est pas là pour nous accompagner, nous caresser les cheveux en disant « c'est fini, hein, ça va aller, hein, ça ira ». Non, Dieu est le rémunérateur, celui qui paye les personnes qui le cherchent. Comment est-ce que Dieu, qui envoyait Jésus à nous, dit encore que je paye, que je ne rembourse, que je n'agis que dans la vie de ceux qui me cherchent. Alléluia. Être à côté de Jésus ne veut pas dire que Jésus est à côté de vous. Vous pouvez l'aimer beaucoup, vous attacher à sa parole, mais ne pas bénéficier de sa parole. Le problème de toutes ces personnes, c'est que quand elles étaient là et qu'elles ont vu le miracle du monsieur de 38 ans, frères et sœurs, une chose très étonnante, elles ont confondu l'action de Jésus. Elles ont mal interprété l'action de Jésus. C'est ça ton problème. Tu confonds ce que Jésus est venu faire dans ta vie. Jésus n'est pas venu vous accompagner. La raison pour laquelle il n'y a pas de photo souvenir dans nos maisons de Jésus, parce que Jésus n'a pas envie d'être emprisonné dans une action du passé. Il te dit que ce que j'ai fait hier, c'est rien. Moi, j'ai d'autres choses à faire dans ta vie. Lorsqu'il a agi et que Nathanaël était étonné, il a dit à Nathanaël, « Oh, tu t'étonnes pour si peu de choses, mais il y a encore de plus grandes choses que je veux faire. » Ne confondez pas le programme de Jésus. Jésus n'est pas votre accompagnateur des problèmes. Jésus n'est pas votre accompagnateur pour vous jeter dans des bonnes situations. Il est venu transformer votre vie. Amen. J'ai vu une grande vision. J'avais vu une très grosse croix derrière ici. Une très grande vision. Il y avait une grosse croix. Et le Saint-Esprit m'a dit, parle régulièrement de Jésus. Ouf, alléluia. Je parle de Jésus. Amen. Regardez la troisième raison. La troisième raison qui a fait que toutes ces personnes, voyant un monsieur malade depuis 38 ans, n'ont pas été guéries après que lui ne soit guéri, c'est qu'ils étaient habitués à une limite de solution. Ils étaient habitués à quoi? Une limite de solution. Comment? Ils savaient que quand l'ange descendait, c'était le premier qui entrait dans l'eau qui était quoi? Guéri. Donc, ils étaient limités à combien de guérisons par visitation des anges? Une seule. Comme ils étaient limités à une seule guérison, quand ils ont vu le monsieur être guéri, ils ont dit, ah, c'est trop tard. C'est fini pour aujourd'hui. Amen. Quand quelqu'un vient témoigner ici de ce que Jésus a fait dans sa vie, nous acclamons et souvent nous commettons l'erreur d'acclamer.
Quand on acclame, nous sommes en train de dire, il a bougé l'eau. C'était la guérison d'aujourd'hui. Une seule. Le monsieur qui témoigne ne vous témoigne pas pour que vous acclamiez, pour reconnaître que c'était la seule chose qui devait se passer. Mais il témoigne pour vous dire, j'étais vous tous. C'est pourquoi un paralytique qui est guéri, c'est tous les autres paralytiques qui doivent l'être au même moment au nom de Jésus. Alléluia. Quand on est sous l'onction de l'esprit dans un culte, souvent un homme de Dieu qui est poussé par l'esprit, quand il veut déclencher un service de miracle, il n'impose pas les mains à n'importe qui. Il imposera les mains à la personne qui est la première connectée. Pourquoi ? Pour qu'à partir d'elle, la foi des autres s'éveille et que l'onction coule. Mais nous, nous sommes habitués, quand on voit une chose, on se dit que c'était tout pour aujourd'hui. Le papa là, il a bâti une belle église, hein? Alléluia. Non, j'annonce que si quelqu'un a bâti une belle église, c'est pour vous dire qu'il est temps que vous aussi bâtissiez de très belles églises. Quelqu'un me suit attentivement? Ils étaient habitués par une guérison par jour. Mais Jésus dit dans le livre de Matthieu 11, 28, on parle de Jésus en disant, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai de repos. Sans limite de nombre de personnes. Vous tous qui êtes fatigués et comment? Chargés. Je vous donnerai quoi? Du repos. La Bible dit dans Matthieu 12, 15, mais Jésus l'ayant su, il s'éloigna dans un lieu et une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades. Tous les malades. Jésus n'a pas un nombre limité d'actions. Aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, malgré qu'on est en 2017, les gens se comportent toujours comme le monsieur malade depuis 38 ans. Les amis du monsieur malade depuis 38 ans. Quand ils voient la guérison du monsieur malade depuis 38 ans, ils disent, c'était tout pour aujourd'hui. Vous êtes en train de me suivre ici ou bien me suivez, je ne sais pas où, à l'internet ou je ne sais pas, dans votre téléphone, quel que soit l'appareil, le support par lequel cette voix vous atteint, je ne suis pas venu faire l'histoire ou bien l'épopée de l'action de Dieu. Je suis venu vous annoncer que ce que je dis est une chose qui est sur le point de continuer sur vous. Il vous suffit tout simplement de vous dire que ce n'est pas un le nombre limité. Chez nous, le nombre est illimité. Quelqu'un me suit attentivement? Hallelujah. Amen, 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 amen. Quelqu'un m'a fait rire un jour, il a dit, vous voyez, quand vous voyez le signe mathématique de l'infini, c'est comme un signe qui veut dire que l'eau est en train de s'agiter. Donc, chez Dieu, il fait des miracles à l'infini. Parce que son eau continue tous les jours à s'agiter. Quel que soit le nombre de malades ce matin, saviez-vous que la guérison vous est destinée à vous tous? Yes, mais personne ne s'est levé pour venir la prendre. C'est tout le seul problème. C'est que tout le monde a regardé le malade en disant, oh, c'était son jour. Et ils ont retourné le regard, ils ont continué à regarder l'eau. Je vous assure que les amis du malade de 38 ans sont encore ici dans nos églises. Ah. Ils sont encore là, en train de me regarder prêcher. Vous savez de qui je parle? Regardez votre voisin. Regardez les voisins, c'est lui, je parle de lui. N'oubliez pas que votre voisin vous a aussi regardé. Alléluia. C'est tout le problème. Les amis de ce monsieur sont encore ici. Il n'avait jamais su qu'il deviendrait l'ami d'un grand nombre d'humains. Vous imaginez? Un grand nombre d'humains ressemblerait à ce type-là. Capable d'observer quelque chose et de regarder ça, comment ça finit. Et puis raconter l'histoire. Quatre. Ils étaient habitués à voir un ange avant le miracle. Alléluia. Ils étaient habitués à voir un ange avant le miracle. Alléluia. Il dit, ils étaient habitués à voir quoi? Un ange avant le miracle. Vous voyez le problème avec vous? Vous êtes pareil à tous les amis du gars de 38 ans. Quand le monsieur était guéri, ils ont vu Jésus le guérir. Ils ont dit, c'est une erreur. Retournons les regards de ce côté. D'habitude, ça vient par là, et puis touche l'eau, et puis on saute. Tout le monde était habitué à voir un ange. Comme plusieurs ici. Quand vous voyez un culte dans lequel la musique ne joue pas, vous voyez le pasteur passer en route, vous dites, ce n'était pas le culte.
comment me guérira-t-il? Et vous allez dire, pasteur, je viendrai seulement à l'église pour vous expliquer mon cas là. Mais on s'est déjà vu en route. Tu as besoin de me faire un épilogue, tu as besoin de me faire un journal télévisé, je ne sais pas comment, de toute ta situation? Non. Alléluia. Pasteur, je suis malade. Ne me dis pas, pasteur, tu vois, déjà depuis 14 ans, mes amis ont fait ceci. Dis-moi là, sur le pasteur, je suis malade, guérissez-moi aujourd'hui au nom de Jésus. Frère, sois guéri au nom de Jésus, pas. Quand vous êtes habitué à voir un ange, vous, c'est l'ensemble des personnes, en fait, qui sont habituées à voir une manifestation avant de croire que Dieu est là. L'ensemble des personnes qui sont habituées à voir le pasteur transpirer pour savoir qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ça a toujours été aujourd'hui parce que demain, c'est demain. De quoi parlons-nous? C'est toujours aujourd'hui, que tu le dises ou pas aujourd'hui. Lélo, lélo, c'est toujours lélo, frère. Alléluia. Oh, acclame Dieu pendant que tu y es. Quelqu'un me suit? Vous qui attendez que la fin de la prédication arrive pour que Dieu agisse, attendez toujours la fin. Attendez la fin, les amis. Alléluia. Que vos kystes disparaissent au nom de Jésus. C'est déjà le bon moment. Alléluia. Ah. Alléluia, alléluia. Amen. Ils étaient habitués à voir un ange. Amen, 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 amen. La Bible dit, Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Vous n'avez pas besoin de voir quelque chose de particulier pour vous faire savoir qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je vous ai dit que c'est aujourd'hui. Quelqu'un m'a compris? 5. Ils étaient habitués à un temps limité d'action de l'ange. Ils savaient, la Bible dit que l'ange venait de temps en temps. Ça veut dire que ce n'était pas un temps continuel, mais un temps limité et incertain. Et ils étaient habitués à une action de temps en temps. Mais Jésus dit dans Matthieu 28, 20, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il n'est pas comme cet ange qui venait de temps en temps. Jésus est disponible avec nous jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Pourquoi aimez-vous aller voir un ganga, un je sais pas quoi, pensant que ça va se résoudre ce jour-là? Jésus est avec nous tous les jours. Cela est largement suffisant. Il ne vient pas de temps en temps. Il est là tous les jours, capable d'agir. Ne me dites pas, pasteur, j'attends la prochaine séance de guérison pour être guéri. De quoi parles-tu? Jésus est là tous les jours. De la dernière, le Jésus de la séance de guérison l'année passée là-bas, et ici, de la même manière aujourd'hui, il est là tous les jours. Que les infirmes, les malades, les aveugles, les ceux qui souffrent dans leur ventre, dans leur corps, dans leur dos, je ne sais pas quoi, soyez guéris au nom de Jésus. Alléluia. N'attendez pas la séance de guérison, c'est long, c'est long. Jésus est ici aujourd'hui. Ta séance de guérison, c'est aujourd'hui. Alléluia. C'est aujourd'hui. Et c'est tout, ça va, ça suffit. Finissons ce bon message. Voici encore une autre chose qui faisait que tous les amis de monsieur de 38 ans sont restés encore malades pendant longtemps. Ils étaient limités à un lieu d'action, la piscine. Tout le monde savait que s'il faut que quelque chose se passe, ça va commencer par où? La piscine. Pourquoi vous vous êtes habitué au lieu d'action, à un seul lieu d'action? Pour vous aujourd'hui, ce n'est que quand vous êtes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand vous êtes à l'église, qu'une chose va se passer. Non, ne vous habituez pas à un lieu d'action. Dieu est capable d'agir n'importe où et n'importe quand. Qui m'a compris? Oh là 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 là, alléluia. J'aimerais bien, j'ai vu une vision, je ne sais pas si c'est le sens de ceux qui me l'a donné, ça m'a fait un peu rire. Vous savez, quand on jetait les gens dans l'eau, souvent certaines personnes qui les jetaient tombaient avec eux dans l'eau. Et après, comme tout le monde tombait au même moment, on ne savait pas d'abord qui était guéri. Tout le monde d'abord essaye, test. Et puis lundi, je suis guéri. Non, c'était lui qui était tombé le premier. Parce que dans les courses de 100 mètres, souvent on fait recours à la machine, à la radio, à la caméra pour voir qui arrivait en premier. Alors je me disais, mais devant la piscine là, comment on savait qui était tombé en premier? Quand tout le monde plongeait leur tête, ils n'avaient pas la caméra pour l'imiter. Donc quand les gens entrent, tout le monde dit, c'est moi!
D'autres criaient. Mais entre-temps, malgré que tu cries, ça ne veut pas dire que c'est toi qui entends en premier. Ne m'influence pas quand tu viens à l'église. Alléluia, 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 alléluia. Ce n'est pas ça qui fait que ce lieu est redoutable pour toi. Hey. Amen. Bon. Alléluia. Alléluia. Je voulais chercher un gars de 38 ans pour qu'il vienne devant que je prie pour lui, afin que je puisse voir la réaction des autres qui ont fait 15, 12, 13 ans. Mais je réfléchis encore qui le Saint-Esprit me conduit et qui a fait 38 ans. Alléluia. Alors, tous ceux qui ont besoin de l'onction de l'Esprit sur vous, mettez-vous debout avant que je ne prie pour elle. La Bible dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous les malades, de lieu en lieu, quel que soit le lieu. Ah, voilà la dame de 38 ans, une dame qui est venue dans l'église depuis longtemps. Ça va demander au Dieu des cieux de pouvoir la toucher pour vous toucher vous tous. Car le septième point était la chose qui faisait que tous les amis du monsieur de 38 ans sans rester malades pendant longtemps, c'est qu'ils étaient habitués à une formule compliquée de guérison. Il fallait attendre que l'ange descende, qu'il bouge l'eau et qu'on se jette, le premier reçoit. C'était une formule compliquée. Il y a une formule très simple que nous avons. La Bible dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Alléluia. C'est une formule très simple, mais que beaucoup ne veulent pas, n'acceptent pas, trouvent ça trop simple. Moi, je vais demander quelque chose pour cette femme, au nom de Jésus-Christ, et que cette chose, en descendant sur cette femme, puisse ouvrir les voies de l'onction sur l'Église. Je te rends grâce, Saint-Esprit, pour l'immensité de la puissance. Et je prie que cette dame devienne un modèle de miracle, de bénédiction. Je le demande, recevez cela dans le nom de Jésus-Christ. Pas un ange, pas une eau agitée, mais qu'au nom de Jésus, Charlotte, reçois cette onction au nom de Jésus-Christ. Levez maman, emmenez-la à sa place. Pendant qu'elle va s'asseoir là-bas, attendez un instant. Ah, j'ai l'impression que c'est assez compliqué. Il y a une guérison de quelque chose qui doit se faire. Laissez. Et c'est que le Saint-Esprit soigne quelque chose là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a dû mettre derrière votre dos, mais Dieu vous guérit. Parce qu'au nom du Seigneur Jésus, tous les malades sont guéris. C'est une formule très simple qu'il a donnée, mais tout le monde veut que l'eau s'agite d'abord. Allez, recevez vos guérisons, vous tous. Prenez-vous aussi. Prenez-vous aussi. En entrant dans cette foule, que la gloire de Dieu entre avec cette femme et qu'elle touche tous les malades, tous ceux qui ont besoin d'une visitation divine, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Recevez-la. Ne dites pas que c'était seulement pour elle. Ça ne suffit pas, il n'y en a pas qu'une seule. Elle est disponible pour un grand nombre. Quelqu'un avait compris que les guérisons étaient tellement intenses, il a crié, « Fils de David, de pitié de moi, que moi aussi je puisse entrer dans cette vague de guérison. » Aujourd'hui dans nos églises, je n'entends jamais quelqu'un le crier de lui-même. Il faut que le pasteur lui dise de crier. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas compris que quand il y a quelque chose qui se passe, c'est pour tout le monde. C'est le moment où votre fameux kyste qui vous dérange depuis longtemps devrait vous quitter. C'est à ce moment ici. C'est à ce moment où normalement les guérisons miraculeuses sont censées s'opérer dans votre vie. C'est en ce moment ici. Je ne sais pas qu'est-ce que vous espérez, qu'est-ce que vous attendez. Mais si Jésus, pourquoi Jésus qui était venu guérir tout le monde, fils, n'a même pas dit aux gens, regardez, je l'ai guéri, vous aussi venez.
Parce que la guérison est un choix que les gens ont. Ils font le choix d'être guéris. Vous faites le choix de voir les choses changer. Arrêtez votre histoire de dire que non, pasteur, ça fait déjà longtemps, on avait déjà prié pour moi. C'est 38 ans, laisse tomber mon ami. C'est 38 ans, je te parle de quelque chose de 38 ans. Je parle de 38 ans. Que la plus longue stérilité puisse être visitée pour que les petites stérilités puissent voir et croire au nom de Jésus. Ça fait longtemps, mais sois guéri. Retourne dans ta maison et dis à ta femme, c'est fini. Le mois prochain, tu concevras et toi et moi, nous serons parents bientôt. C'est tout ce qui se passe parce que nous le demandons au nom de Jésus. Hein? Parce que nous le demandons au nom de Jésus. Allez, recevez la grâce de Dieu. Prenez-la. 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 Qu'elle bénisse votre vie là où vous avez besoin de bénédiction. Qu'elle opère le miracle là où vous avez besoin de miracle. Qu'elle guérisse votre corps là où vous avez besoin de guérison. Qu'elle étende sa main. Oh, la puissance de Dieu. Qu'elle étende sa main. Soyez bénis. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Sois guéri et visité au nom de Jésus-Christ. Recevez vos guérisons. Recevez vos guérisons. Recevez vos miracles. Recevez vos miracles. Recevez vos guérisons. Au moment où tout cet homme quitte de là, l'homme de 38 ans, pendant qu'il sort de là, il fait la rencontre des juifs, des hommes de la loi, qui lui disent, c'est le sabbat. Il t'a demandé de te lever. Alléluia. Il dit au monsieur, il y a un homme qui m'a dit de me lever. Alléluia. Vous rencontrerez, quand vous sortirez de ce culte, une voix qui vous dira, qui t'a dit que tu es guéri? Dites-lui, il y a un homme, Jésus, qui m'a dit d'être guéri. Il a dit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche, c'est tout. Il n'a fait que répéter ce qu'on lui a dit. Si vous avez une voix contraire qui vient dans votre esprit en vous disant, est-ce que c'est vrai? Dites-leur, dites à cette voix, on m'a dit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Prenez. Qui vous a dit de travailler? Vous, le travail n'est pas pour vous. C'est ce que les sorciers de votre famille disent. Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Prends ton lit et marche. Dieu ne compte pas te faire travailler sans que tu partes avec ton lit. Tu dois prendre ton lit et aller travailler avec. Tu dois prendre ton lit pour que quand tu travailles, que tu te souviennes de qui t'avait guéri. Prends ton lit et marche. Prends ton lit et va travailler. Ça va pour vous? Alléluia. Acclamons le Seigneur.